pouvez rentrer en contact avec si vous voulez. D'accord ? Elle vient d'être. Voilà, merci, bougez pas. PVE analysé. Je vous ai entendu. On l'a vu. Mickaël. Voir des enfants. Venez communiquer avec tous. On est à fond. Si tu veux que tous les lieux qui parlent d'ici. Oh là là. Marchez devant nous. Est-ce que c'est là-bas la maison de massacre ? On sera tout de suite en bas. C'est quoi ce bruit ? Aujourd'hui, dans ma nouvelle exploration paranormale, dirais-je expérience paranormale, je vous emmène dans une maison, la maison du diable, où un père de famille a décimé toute sa famille, femme et enfants, dans cette maison. Il se donna la mort ensuite, avec un sac, avec des pierres à l'intérieur. Bon visionnage, et les résultats sont au rendez-vous. Yo les potos potasses, et non pas d'aspect, bienvenue sur la page du HT des potos. Alors aujourd'hui les amis, je me retrouve avec une équipe qui m'a invité dans cette maison, la maison du massacre. Où un massacre a été perpétué ici. Dans cette maison. Donc, je vais vous expliquer après l'histoire. Vite fait. Dans une voix off. Alors, bonsoir. Nous venons ici tranquillement essayer de rentrer en contact avec vous. Je suis avec quelques amis à moi. On va essayer de rentrer en contact avec vous avec des bruits. Ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire un bruit comme ça, vous avez le droit. Faites ce que vous voulez ici, c'est votre maison encore. Nous, on vient en tant que visiteurs. C'est-à-dire, on vient essayer de rentrer en contact avec vous. On vient essayer d'avoir un contact avec vous. On veut vraiment rentrer en contact avec le monsieur. Je sais qu'il y a eu un massacre ici. Alors, si vous allez faire un massacre ici, est-ce que vous pouvez faire un bruit dans cette bâtisse ? Faites un bruit à l'étage, s'il vous plaît. Si on n'est pas les bienvenus, faites un bruit en haut. Je vais poser une petite poupée ici, mais je vais poser plusieurs matériels. Je vais essayer de faire. On va essayer de faire les baguettes. C'est-à-dire, on a pris des baguettes, on va essayer, on n'a pas pris le guéridon. C'est pas grave. Mais on veut rentrer en contact avec vous. Et si il faut que je me montre un peu persévérant, je vais me montrer persévérant. D'accord ? Merci, on entre comme des bruits de pas. J'ai pas encore mis mon dictaphone, mais je vous remercie. Alors j'ai la poupée Chuck aussi ici. Hein. La poupée qui me suit tout partout. Alors vous pouvez rentrer en contact avec si vous voulez. Hein. D'accord ? Merci. Merci.
Bon, on est à plusieurs dans cette enquête. Alors, je vous présente aussi l'équipe hier. Alors, c'est Laurent. Tout à l'heure, c'était Stéphanie. On a ici Michael, ici. Michael. Et on a Philippe, ici. Bonjour, les gens. Voilà. Alors là, il est en live, c'est-à-dire qu'il fait un live en direct. C'est-à-dire que je vais oublier le K2 pour l'instant. Bon, on s'en sert pas. Il est en live en direct. Avec vous, peut-être qu'il me regardait. Alors, en fait, je vais commencer à installer le matériel un peu partout et après, on commencera l'investigation. On se reprend tout de suite, le poteau de potasse. Et non pas d'aspect. Voilà, les amis. Alors, pour pas qu'on s'éparpille et qu'il y ait des sons parasites, je vais poser plusieurs matériels, moi, que ce soit dans les pièces en haut. J'ai un détecteur de mouvement, j'ai un pointeur laser, j'ai aussi un télémètre. J'ai aussi un fil à pêche qui suspend avec une LED. Alors, je perds un peu mes mots ici parce que sachant ce qu'il y a eu ici, c'est un truc de fou quand même. Alors on va les poser ça tous ensemble. C'est parti. La mallette du chasseur de fantômes. Bon les amis, la sauce qui sent là. Tu vas purifier déjà la maison. Stéphanie, tu purifies avant qu'on commence. Je me purifie, moi. Ouais. Parce que je me suis pas sentie bien. Bon les amis, je monte pour amener le matériel en haut pour mettre le détecteur de mouvement. On va commencer par l'étage. Ouais. La poupée pod, je l'ai allumée, elle est là-bas. Regardez. Alors on va les monter, on va laisser la poupée pod tranquille ici. C'est une interaction ici avec quelques entités qu'il y a ici. C'est bizarre, je perds mes mots. D'habitude, je perds pas mes mots comme ça. Allez, on monte. Je vous ai entendu, je crois, PVE, à écouter pendant les rushs. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une poupée pod ici? Il y a quelqu'un qui a déposé un ours ici? Stéphanie? Michael, il y a quelqu'un qui a déposé un ours ici? Non. Il y a un ours ici? Il est tout neuf. Il est bizarre. Il faut se replancher un peu moins. Alors on vient de monter avec l'équipe et je viens de voir qu'il y a un jouet, il y a une poupée ici, un nounours. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis ce nounours ici? On ne sait pas. Du coup, je n'ai pas envie de trop m'éparpiller. C'est pour ça qu'on va justement placer tout le matériel. C'est une nouvelle façon que je filme. C'est la deuxième enquête que vous verrez, c'est comme ça que je me filme avec la lampe normale et après on passera en IR. Voilà, on finit de préparer le matériel et après je vous reprends. C'est parti, on prépare le matos. Alors les amis, on est en pleine préparation de matériel. Et on entend des booms. Je vais laisser Stéphanie et après je vais t'expliquer, Michael, comment en fait je fonctionne. Faut pas qu'on parte dans tous les sens. Je vous entends clairement. Est-ce que c'est vous qui faites des booms quelque part? Ouais, faites un boom comme vous venez de faire. Je ne l'ai pas filmé vu que je suis en train de préparer mon matériel. PVE analysé. PVE analysé. PVE analysé. PVE. À ce moment précis, nous entendons comme des bruits de pas. Quelque chose qui se dirige vers nous.
On l'entend clairement. Écoutez, je vous mets le replay. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on entende meilleur le son? Un gros boom quelque part où vous voulez, venez me toucher, venez me faire tomber. Venez frapper à la fenêtre, venez taper dans la poutre, comme ça. Comme ça. Comme ça. J'ai une poupée pod, si c'est vous qui faites des bruits, allez l'allumer. Ma caméra s'allume tout seul. Ah, c'est un... ah non, ouais, c'est parce que j'ai pas mis l'enregistrement, c'est normal. J'ai mis un détecteur de mouvement ici par là avec une lumière, passez devant. Une voix analysée, un cri. Faut voir aux analyses, c'est comme je dis. D'habitude, une enquête, c'est comme ça, c'est quand tu regardes les analyses. Ouais, les amis, alors j'ai passé tout le matériel un peu partout. Je vais vous faire voir vite fait, comme ça en même temps. Je vais vous faire voir. Alors, j'ai placé plusieurs matériels ici, dans cette maison. Alors, j'ai placé un détecteur de mouvement. Alors j'ai placé un détecteur de mouvement, je vais vous éteindre pour faire voir, avec un ballon, justement, que si le ballon se déplace, avec une caméra ici, on va regarder d'ailleurs si elle filme encore. Il n'y a pas l'air qu'elle filme. Pourquoi elle s'est éteinte celle-ci? Je vais prendre plus ton trépied en bas pour le mettre ici. Ton trépied. Tes caméras, ouais, ça sera mieux qu'un trépied, je pense. Ouais, j'arrive. Ouais, je vais chercher un trépied, comme ça, cette caméra-là, je vais la descendre. Ça sera mieux. Alors, on est toujours dans cette maison. J'ai posé un trépied ici, qu'une caméra qui filme le fil à pêche avec la LED, justement. Voilà. Je vais la mettre en haut celle-ci et je vais descendre l'autre en bas. Il y a quelqu'un ici? Essayez de communiquer avec nous. Pour voir, si ça filme bien, si on voit bien. Moi, je pense qu'ici c'est bon. Hein. Alors, les amis, comme j'ai dit que je filmais tout en enquête, je m'en vais de l'autre côté. J'ai en train de fumer cigarette, je suis dehors. On va se diriger avec Stéphanie à deux. Notre équipe reste ici. Moi et Stéphanie, on va se diriger dans l'autre maison. On dirait une grange ou une autre maison. Est-ce que c'est là-bas la maison du massacre? Vous saurez tout de suite. On y va. Tant qu'on arrive de l'autre côté, je fume ma cigarette tranquillement. Alors là, vous avez la maison, hein, ici, du massacre. Et de l'autre côté, on se dirige vers une autre maison. Là, celle-ci, là. Voilà. Une autre maison plus ancienne, on dirait. Alors là, je suis avec Stéphanie, on y va. On est qu'à deux, là, comme ça, au moins. La pollution sonore, on va faire une session de PVE. On va voir si peut-être c'est ici, on va voir. Bon, je te suis, c'est parti. Y a quelqu'un ? Bonjour. Enfin, bonsoir. Tu vois ici? C'est pour un atelier. On dirait, ouais.
Est-ce que c'est ici qu'il s'est passé le massacre? Il y a quelqu'un avec nous ici. Je vais entendre un PVE, ça sera écouté. Bon là, il y a Michael qui nous rejoint, et ça sera écouté tout ça. Michael, il entend, il est là-bas. Tu l'as entendu, Michael? Non, c'est Laurent qui est là-bas. Quelqu'un vient de répondre? Allez-y, marchez si vous êtes là. Vous pouvez me pousser là, si vous voulez. Putain, vieux arbre. Oui. Marchez devant nous. Des feuilles qui tombent. Oui. Ouais, c'est pour ça aussi, il ne faut pas tout confondre. J'en comprends. Ouais, des robes, des trucs comme ça. Enfin. Bah ici, c'était pas une maison, c'est plutôt un atelier. Oui, ouais. Je pense. Ouais, une petite grenouille ici. Oh. Ouais, j'ai entendu dans la studio. Ouais, s'il y a de la vie, ça va. Ouais, c'est pas négatif. Ouais, voilà. Ouais, les amis, alors là, on va se reprendre dans notre maison pour une session de Spirit Box. A tout de suite. Alors, les amis, là, on va passer à une session de Spirit Box, comme je vous avais dit. Alors, c'est parti, je mets en. Ouais, mon premier, pour voir si on arrive à capter l'enfant. Si on arrive à capter l'enfant, justement, et qui parle avec nous, avec la Spirit Box. C'est parti, je vais le mettre en route. C'est parti. UX mode. Bonsoir. Bonsoir. S'il y a quelqu'un ici, que ce soit le père, la mère. Vous n'avez rien entendu ? Écoutez entre ma voix, une voix grave se fait entendre. Je vous mets un replay maintenant. Que ça soit le père. La mère. Que ça soit le père. La mère. Ou un des enfants. Peut venir communiquer avec nous ici. Justement, on veut rentrer en contact avec lui. D'accord, je vais lâcher ma main et dites-moi comment vous vous appelez, s'il vous plaît.
Laurent. Écoutez, j'ai entendu Laurent. Il faudra écouter. Sors. Écoute. Tu vas. Est-ce qu'il y a un enfant ici parmi nous? T'amuses pas? Ici? Est-ce qu'un enfant ici pourrait venir à côté de moi? Je? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce qui vous dérange? Est-ce que le petit garçon peut s'approcher de moi et toucher à la peluche? Viens, petit garçon, n'aie pas peur. Le nom que vous venez d'entendre dans la Spirit Box, je ne peux pas affirmer à 100% que c'est un petit garçon, mais ça y ressemble beaucoup. Viens, petit garçon, n'aie pas peur. D'enfant, un appel de détresse qui nous est envoyé. Je vais vous faire un bref retour en arrière maintenant. Oh, mon enfant. Merci. Ah, bien entendu. Merci beaucoup. Je sais que tu es venu. Tu peux appuyer ici pour changer la couleur si tu veux. Voilà. Change de couleur. Merci. Pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai entendu que tu étais ici. Reviens. Comment tu t'appelles, petit garçon? C'est moi. Dans la Spirit Box, on entend Chuck. Chuck est ma poupée pod qui est juste en dessous de nous, au rez-de-chaussée. J'ai entendu Chuck. J'ai entendu Chuck. Papa. Maintenant, je parle, il s'agit papa. Dites-moi mon prénom, s'il vous plaît. Là, les amis, c'est complètement hallucinant. On entend clairement Sébastien. Et une genre de voix vraiment bizarre. Sébastien. Sébastien.
Comment s'appelle le monsieur qui est assis sur une chaise? C'est lui? Ouais. Ah si, d'accord. Là, je me sens bien frais, là. Plus frais, là. Ouais, j'ai entendu ça. Merci, là. Est-ce que le petit garçon est encore avec nous? Les amis, je vais tenter le jeu de cartes et la lampe. Je vais tenter le jeu de cartes et la lampe. Je pourrais avoir ma valise là-bas, s'il te plaît. Alors là, je vais mettre une boule qui s'allume aussi. Hein. Celle-ci, elle bouge. Ça m'étonne. Voilà. Alors voilà, je t'ai amené des objets. Ici, il y a une lampe. Au revoir. Au revoir. J'ai une lampe ici, une petite lampe. Si tu tapotes dessus, tu peux l'éteindre. J'ai aussi notre... Tu peux jouer avec tous les jouets que je t'ai amenés ici. D'accord? Allez, vas-y, tu peux t'amuser. Est-ce que tu peux éteindre la lampe? Ou abaisser, même pas éteindre la lampe, mais abaisser la lumière, là. Par ici, j'ai entendu, venez par ici. Où, par ici? Pas vous faire perdre votre temps, je vous ai fait un cut jusqu'au moment où la lampe a commencé à réagir. Alors, est-ce que tu peux l'allumer plus fort la lampe, s'il te plaît? Là, c'est vraiment sensible. Est-ce que tu peux l'allumer plus fort la lampe? Je vais la lancer. Et vas-y, lance-la la lampe. Est-ce que tu peux augmenter ou éteindre? Continue, voilà, continue. Continue si c'est toi. Augmente la lampe. Voilà, merci. Merci, continue. Continue. Merci, continue, mais toujours stable. Continue, continue, continue. Continue, merci, continue. Merci. Continue. Continue, merci beaucoup. Maintenant, je vais te poser une question. Si c'est bien vous. Je vais vous demander d'éteindre cette lampe.
Merci, j'ai compris que c'était vous, normalement. Je vais vous demander d'éteindre cette lampe pendant 5 secondes. J'ai déjà fait cette... Merci. Je touche pas, hein. Je suis bien là. Hein. Regardez bien, les amis, cette expérience est hallucinante. Au moment que je demande que la lampe soit abaissée ou éteinte, le phénomène se produit. Je ne dis pas que c'est paranormal, mais c'est assez troublant pour la mettre dans la catégorie paranormal. Toujours stable. Continue. Continue, merci beaucoup. Maintenant, je vais te poser une question, si c'est bien vous. Je vais vous demander d'éteindre cette lampe. Merci, j'ai compris que c'était vous, normalement. Je vais vous demander d'éteindre cette lampe pendant 5 secondes. J'ai déjà fait cette... Merci. Je touche pas, hein, je suis bien là. Hein. Merci. Alors maintenant, je vais vous demander d'éteindre cette lampe, si vous pouvez l'éteindre, l'abaisser. Je vais compter pendant 5 secondes, dès que vous l'aurez éteinte pratiquement. Au bout de 5 secondes, vous pourrez la rallumer, c'est-à-dire la remettre pareil. Prenez un peu mon énergie pour éteindre cette lampe. Abaissez cette lampe, s'il vous plaît. J'arrête la spirit box pour que vous me compreniez mieux. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien que vous abaissiez cette lampe, c'est-à-dire l'éteindre. Est-ce que vous pouvez éteindre cette lampe ? S'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, abaissez cette lampe. S'il vous plaît. Franchement, si je vais vous demander un truc. Si vous l'éteignez, je compte jusqu'à 5, pendant 5 secondes, on part. C'est-à-dire que vous ne voulez pas de nous ici. D'accord ? Éteignez-la. Si vous arrivez à éteindre cette lampe-là, pendant 5 secondes, on partira. Sur le champ. Au moment précis où je demande de faire clignoter la lampe ou la baisser, de faire un bruit quelconque, écoutez, on entend vraiment un boum. Je n'écarte pas que c'est peut-être un des collègues que son pied a touché le sol sans faire exprès. Pendant 5 secondes, on partira. Sur le champ. D'accord ? Vous faites un autre bruit, le détecteur. Ou la poupée pas d'en bas, c'est-à-dire qu'on n'est pas le bienvenu ici, on partira. S'il vous plaît. Vous n'y arrivez pas ? Oh. Apparemment, le nounours, c'est Jean qui l'aurait laissé avec Fabrice à l'époque. Ah, je me doutais. À vous, allez-y. Une, deux, trois, quatre, cinq. Rallumez-la, comme elle était. Comme elle était. Allez-y. Comme elle était. Encore plus fort, comme elle était il y a 2 minutes, il y a 2 secondes. Allumez-la comme elle était à fond. Plus fort.
Allez-y, continuez. C'est bon, j'ai vu. Allez-y. Elle doit rester allumée constante. Allez-y, voilà, voilà. Voilà, rallumez-la, voilà. Rallumez-la, laissez-la allumer, comme elle vient d'être. Voilà, merci, bougez pas. Merci. Je reste dans l'hypothèse où j'ai posé assez de questions, où j'ai dépensé assez d'énergie et de concentration. Maintenant, je suis là pour chercher des réponses, donc je pense que c'est l'entité qui nous répond à ce moment précis. Allez-y, voilà, voilà. Voilà, rallumez-la, voilà. Rallumez-la, laissez-la allumer, comme elle vient d'être. Voilà, merci, bougez pas. Merci. On peut même pas dire que c'est nous qui bougeons le plancher, ou on bouge même pas, quoi. Maintenant, je vous ai aidé un peu tout à l'heure à le faire. Maintenant, vous devez le faire tout seul. Abaissez la lumière. Pratiquement éteinte comme tout à l'heure vous avez fait, rallumez-la. Vous avez compris le système. Allez-y. Si vous voulez qu'on parte, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. L'éteindre complètement. Si vous voulez qu'on parte, le paranormal, c'est ça. Ça arrive. Faut qu'on soit là, quoi. Allez-y! Essaye, quelqu'un d'autre, essaye de poser la question pour voir. Est-ce que tu pourrais essayer d'éteindre la lampe, s'il te plaît? Hein, comme tu as fait tout à l'heure, baisser la luminosité pendant quelques secondes, et après la rallumer comme tu viens de faire ici. C'est comme Sébastien te l'a dit, si tu l'éteins, sans qu'on te le dise, si tu l'éteins pendant 5 secondes et ensuite que tu la rallumes comme ça, on sait qu'on n'est pas les bienvenus et on partira. Donc tu l'as déjà fait une fois avec l'aide de Sébastien. Donc maintenant tu peux le faire par toi-même. Tu as compris le système, donc tu peux y aller. Si tu laisses la lampe allumée, ça veut dire que tu veux qu'on reste. Ah. 5 secondes, 5 secondes. Éteins-le complètement. T'as vu quand elle m'a dit si on reste? Ouais. On va rester alors. On va rester. On va rester. Pour l'instant, on reste toujours. Hein. On reste toujours. Tant qu'elle n'est pas éteinte, pour au moins 5 secondes, on reste. 5 secondes éteintes, on part. On vous laisse tranquille ici. Et si tu la rallumes complètement maintenant, ça veut dire que tu veux qu'on teste. C'est totalement bluffant et hallucinant. On dirait que l'entité répond à nos questions par rapport à l'interaction avec la lampe. 5 secondes éteintes, on part. On vous laisse tranquille ici. Et si tu la rallumes complètement maintenant, ça veut dire que tu veux qu'on teste. Vous voulez qu'on reste, hein? Il n'y a pas de souci. Si c'est ce que vous voulez, bien on va rester.
Mais dans ce cas, on va vous demander votre participation. Comme vous avez pu le constater depuis tout à l'heure, on est ici tous ensemble. On n'a pas cherché les problèmes. On n'a pas essayé de vous faire du mal. On veut simplement entrer en communication avec vous. Ici, en bas, il y a une petite poupée. S'il y a des filles ici, elles peuvent aller jouer avec la poupée, il n'y a aucun souci. Là-bas, plus loin, il y a un ballon. Donc s'il y a un garçon, il peut aller jouer avec ce ballon. Et si jamais les enfants sont présents ici avec nous, il y a plein de petits objets avec lesquels il peut jouer. Il peut changer la couleur. Il peut changer la couleur de l'enceinte. Il y a une peluche. Il peut jouer avec la lampe s'il veut. Tout est là pour vous, donc il suffit simplement de les utiliser. Alors, si vous voulez nous aider, est-ce que vous voulez bien éteindre la lampe, s'il vous plaît, pour confirmer que vous voulez bien rentrer en communication avec nous? Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît, la lampe de poche? Déjà, on n'a même pas posé la question, ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un ici vous dérange? Est-ce que quelqu'un ici n'est pas bienvenu? Si oui, faites clignoter la lampe. Putain. Si oui, faites clignoter la lampe. C'est qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas bienvenu, il veut pas, ça ne va pas interagir. Ouais, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Si c'est Sébastien, rallumez complètement la lumière. C'est pas moi. Si c'est Laurent, allumez complètement la lumière. Est-ce que c'est moi? Elle a l'éteint complètement, il n'y a plus rien. Peut-être que c'est Philippe qui n'est pas le bienvenu. Ou alors, est-ce que c'est moi? Tu vois, c'est... Si c'est moi qui ne suis pas le bienvenu, allumez la lumière. Putain, j'ai allumé. Ah, c'est lui, ouais. Allumez-la à fond pour qu'on comprenne. Allumez-la complètement pour vous montrer que je ne suis pas le bienvenu. Voilà. Autrement, on ne peut pas comprendre par rapport à vos réponses. C'est tout ce qu'on demande. À fond. Allumez la lumière à fond. À fond, comme tout à l'heure. À fond, allez-y. Vous y êtes, allez-y, si c'est lui, allez-y. Allez-y, vous y êtes, allez-y. Si vous n'aimez pas ma présence, allumez-la à fond, je comprendrai. Et on partira par la suite, c'est une logique. On va pas laisser partir tout seul. Il va falloir faire mieux que ça. Hein. À fond, comme pour vous voulez faire. Pour l'instant, il reste. Pour l'instant, je reste. Je ne bouge pas, je continue à poser des questions. Si vous voulez qu'il parte à fond, allumez votre lumière à fond si vous voulez qu'il parte. Oh là là, oh putain. Simple coïncidence, où sommes-nous bien en présence d'un phénomène inexpliqué? Les minutes qui vont suivre, Michael va se sentir vraiment, vraiment pas très bien. Oh là là, oh putain. Et on peut pas, tu vois, c'est un truc de fou. Et okay, voilà. Il faut qu'on parte, quoi. Là, on vous jure pourquoi qu'on ne touche à rien. Bah ouais, mais pourquoi? Je ne suis pas bienvenu. Je sais pas. C'est pour ça qu'ils ont moins après tout. C'est pour ça qu'au début que tu as eu le tour. Regardez, alors les amis, voilà, c'est un truc de fou. Vous avez vu avec la lumière. Hein. Voilà, j'ai jamais vu. J'avais vu la lumière comme ça, mais pas. C'est clair, Chouquette. Mais j'avais eu des ressentis que je me suis dit, est-ce que pourquoi ils ne nous répondent pas? C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui les dérange. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit dans cette maison? Est-ce que vous pouvez baisser la lumière? Est-ce que vous voulez plus répondre? Baissez la lumière si vous voulez plus répondre. C'est bien Michael alors. Est-ce que vous voulez que j'aille faire un petit tour dans la cave? Il se passe peut-être quelque chose là-bas. Si vous ne voulez pas que j'y aille, éteignez la lumière.
Ou si vous voulez que j'y aille, laissez-la allumer. Pourquoi ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous êtes ici ? Quelqu'un nous voit ? Est-ce que quelqu'un nous voit au fait ? Je veux savoir ça. Si quelqu'un nous voit. Pour être sûr. Baissez la lumière si quelqu'un nous voit bien ici. Une dernière fois, allez-y. On est en train de me demander que tu me demandes si Mika ressemble au papa. Pas cette question. Est-ce que je ressemble à ton papa? C'est pour ça que tu ne veux pas de ma présence? Alors, comme d'habitude, éteindre la lumière si oui. Oh, oh bah c'est clair, hein. C'est clair. Hein. Encore une coïncidence, juste au moment où j'interagis avec le phénomène inexpliqué, ça nous répond, je ne sais pas, je vais vous la juger par vous-même. Alors, comme d'habitude, éteindre la lumière si oui. Oh bah c'est clair, hein. C'est clair. Hein. Ah ouais, c'est clair, net. Là, est-ce que tu veux que je quitte tout de suite les lieux? Rallume-la. Rallume-la à fond, si tu veux qu'il quitte les lieux et qu'il parte d'ici. D'un coup. D'un coup, voilà, comme tu viens de faire. Allez. Tant que tu l'allumes pas, je reste. Voilà. Est-ce que Michael ressemble au papa qui a décimé toute sa famille avant de se suicider? Nous ne le saurons jamais. Mais quoi qu'il en soit, Michael ressemblerait physiquement au papa. D'un coup, voilà, comme tu viens de faire. Allez. Tant que tu l'allumes pas, je reste. Voilà. Merci. Là, ça c'est clair et net, hein, c'est pas... Ah, c'est fou. Hein. Est-ce que c'est toi qu'on a entendu pleurer tout à l'heure? Si c'est oui, tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît. D'accord. Alors, tu ressembles au papa, alors. C'est ça, hein. C'est bien ça. Il ressemble à ton papa. Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose si je reste dans la maison? Et comme éteins la lumière. Donc tout à l'heure, éteins la lumière, si oui. Il va m'arriver quelque chose si je reste dans la maison? Si oui, tu éteins la lumière. Sinon, tu la laisses allumer. Voilà, il va rien lui arriver alors. Bon. Pose-le une dernière fois parce que ça fait un petit moment qu'on en fait ça. Est-ce que vous voulez que j'aille dans vos chambres? Si vous ne voulez pas, éteignez les lumières. Il va aller dans vos chambres. Bon, ben, je vais aller voir ce qui se passe dans vos chambres. Si vous n'éteignez pas la lumière, je vais aller voir ce qui s'y passe. Ok. Bon, je me dirige dans les chambres, ici. Donc si vous voulez, si tu veux pas que j'y aille, tu l'éteins. Ouais. Eh ben écoute, je vais aller faire un petit tour dans les chambres. Hein. Je vais venir te chercher, il faut éteindre la lumière. Hein. Éteins la lumière si tu veux pas qu'il vienne te chercher. Alors, il y a quelqu'un à ta chambre. Éteins la lumière quand il arrive à ta chambre.
Et puis t'as vu, là, il s'est levé avec la vibration, ça n'a pas bougé. Ah, stop, t'y es à sa chambre, t'y es. C'est ta chambre ? T'y es, c'est bon. Bizarrement, encore une fois, Michael arrive devant l'une des deux chambres, devant la porte d'entrée de la chambre. La lumière s'éteint. Est-ce encore une coïncidence ? Ou vraiment une entité ? Ah, stop, t'y es à sa chambre, t'y es. C'est ta chambre ? T'y es, c'est bon. Ah, bah, t'es devant la pièce. Alors, regardez, je vais faire, voilà. Alors, je prends. Laurent est juste devant les pièces là-bas. Non, Michael. Il est juste devant l'une des pièces, Michael. Je me trompe à chaque fois. Est-ce que si c'est bien ta chambre, tu sais l'allumer bien fort la lumière, s'il te plaît? Pour nous? Est-ce que tu peux bien allumer la lumière, s'il te plaît? C'est un truc de fou. Fort comme tout à l'heure. Si Michael est juste devant. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Bien fort la lumière. D'un coup. Est-ce que c'est ta chambre? Tu peux l'allumer un peu plus fort, s'il te plaît. Michael est devant ta chambre. Est-ce que tu peux l'allumer plus fort, la lumière, pour me faire voir que c'est bien ta chambre? Allez, vas-y. C'est celle-ci? C'est bien celle-ci ou pas? Alors, si c'est pas ta chambre, allume-la à fond. Si c'est ta chambre, laisse-la éteinte. Alors, est-ce que tu veux qu'il rentre dedans? Si oui, allume la lumière fort. Ah! Depuis tant que t'es parti, en fait, c'est éteint. Essaye de revenir pour voir. Tu vois, c'est éteint complètement. Hop, regarde, reviens. Ça, c'est éteint. Ça, c'est éteint, moi, ouais. J'étais devant ta chambre. Allume la lumière. Et puis, on y va. Allume la lumière. Parce que j'étais devant ta chambre. C'était pas la tienne, celle-là? Fort, très fort. Allez. Puise de l'énergie ici, dans les caméras, où tu veux. Allume-la, très fort, si c'était ta chambre. Ou celle de tes frères et sœurs. Faut que j'aille voir dans l'autre ce qui se passe. Est-ce que tu veux que je rentre dans l'autre chambre où il y a le ballon? Voilà, plus fort, plus fort. Voilà, plus fort. Allume-la comme tout à l'heure, plus fort. C'est bon, t'y arrives. Continue. Allez, allume-la, je vais voir dans l'autre chambre. Voilà, c'est bien. Allez, continue. Ou si tu n'y arrives plus, clignote-la 3 fois d'affilée. Pif, 2, 3 fois comme ça. Tac, 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 3 fois fort. Alors, une. Ouais. Oui, il a fait. 2, il l'a fait ? Oui, il l'a fait. D'accord. Regarde, ça clignote. 1, on va réessayer parce que je ne l'ai pas vu. 3 fois fort. Allez. 1, 2, 3. On peut dire que c'est bon. Ouais. En tout cas, c'est gentil. Merci. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Ça a dû l'épuiser. Et les filles, c'est pas juste un enfant, c'est 3, apparemment. Ah, je peux plus. C'est froid. Ouais. Ouais, je suis blessé, c'est fou. Ouais, c'est fou. Putain, j'avais dit ton sas. Moi, je l'avais déjà fait expérience, là, c'est pour ça. Ouais, mais voilà, mais bon. Alors là, on a une bonne interaction avec cette lampe. Hein. Vous pouvez regarder, c'est une lampe à 1 euro. J'ai juste dévissé le bout, c'est tout. Hein. Voilà. Pour qu'elle soit bien sensible. C'est bon, quoi. Regardez les interactions qu'on a eues avec possiblement l'entité d'enfant qui était ici. Les amis, on va tester les fumigènes. C'est parti.
Les amis, aucun résultat concret de photos. Aucune forme n'est apparue sur les photos avec la grille laser. Donc, inutile de vous faire voir les photos. On continue. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette investigation. Voilà. Alors l'équipe que j'étais avec eux en enquête vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, merci d'avoir suivi. Bonne soirée. Merci à vous. À la prochaine. Voilà. Merci d'avoir suivi les amis, comme d'habitude. Si t'as kiffé cet épisode, n'oublie pas le petit pouce bleu, abonne-toi si t'es pas abonné, parce que il va y avoir du très très lourd bientôt, du très 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 lourd, je t'affirme, et je confirme. Et je te dis ciao la famille, on se retrouve à la prochaine enquête. Comme d'habitude, les potes et potasses, ciao la famille, portez-vous bien, peace out. Je vous remercie, vous les passionnés du paranormal, à avoir regardé mon enquête jusqu'au bout. Alors n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, abonne-toi vite sur ma chaîne YouTube Seb et active la cloche des notifications pour avoir mes enquêtes comme celle-ci en temps et en heure. N'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et n'oublie pas le petit like qui fait toujours plaisir car c'est la récompense du travail effectué des mois et des mois. Merci et à bientôt.